Ça permet de t'attendre au micro, Mihani. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission pour Fariaria. Alors, à quel âge as-tu commencé de chanter? Alors, papa, il a commencé à me former quand j'avais 8 ans, mais j'ai vraiment débuté à l'âge de 11 ans. Alors, quand tu dis que papa a commencé à t'entraîner un peu, à te mettre dans le bain de la musique, ça a été facile pour toi d'accepter? Oui, oui. Ben, comme j'avais l'habitude de les voir chanter à la maison, dans le salon, ben, après, petit à petit, quand j'allais à côté d'eux, ils me disaient, tiens, prends le micro, chante au moins un chant. Et aujourd'hui, ça te fait quel âge? Qu'est-ce que tu t'en penses? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors aujourd'hui, maintenant, enfin, j'ai 22 ans et je peux dire que grâce à papa, j'ai quand même appris beaucoup de choses et je le remercie justement pour ça, ainsi que maman. Alors, tu es avec nous parce que papa, c'est un auteur-compositeur. Enfin, il a composé une chanson. Enfin, on va parler déjà de Teuruari et Apitei. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Teuruari et Apitei? Qui sont-ils? Alors, Teuruari, c'est mon fils qui aujourd'hui a 3 ans et demi. Et Apitei, c'est la petite que j'attends. Ah, c'est une fille. J'accouche. Et c'est vrai, hein? Si, je ne sais pas voilà. Si on voit bien là. Oui, Apitei, c'est une fille. Voilà. Il a composé ce chant pour eux deux. Alors, Mihani, tu sais qu'il y a beaucoup de concours de chants. Hein, qui a été fait chez notre fille de moi, ça t'a jamais, donné envie de concourir. Je passe un Nescafé Star. Hein. Alors, je crois qu'il y a un caméraman de chez nous qui t'a encouragé de venir concourir. Oui. Alors, ça t'a jamais donné cette envie de participer? Les concours, non, pas vraiment. Juste les prestations. Les prestations. Et pourquoi pas le concours? Pourquoi? Aucune idée. Et oui, c'est juste le fait de faire des prestations qui m'a intéressée. Et là, ça ne te dit toujours pas de faire en attendant pour que... Pour le moment, tu vas t'occuper de ta petite. Alors, est-ce que tu as un message, je ne sais pas, pour tes amis, pour ta famille, pour papa, maman? Ben, je voudrais déjà passer un coucou à tout le monde, tous ceux qui nous regardent. La famille, les amis de Facebook sans oublier. Et puis, ben encore une fois, remercier mes parents pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors, si toutefois je veux... Enfin, je ne vais pas dire célébrer le mariage. Il y a des animations, les gens sont intéressés. Comment ça se passe? C'est apparemment que vous êtes hyper chargés. Oui, ben alors, il y a juste à joindre papa au 89... 25, 47, 74. Alors, c'est pour toutes les animations, que ce soit anniversaire, même dans les îles, c'est ça? Aussi. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut continuer maintenant? C'est prêt? On peut continuer? Alors, à côté de toi, qui c'est qui va t'accompagner? C'est Montani. Voilà, oui. Merci. Traya, o mihani te tata te farimaine, maitane promaira mauti tona papa, mea eirua oia... Fine nei tona papa ia ni tine te mhano marururo ona e whanau mai o iei te tumahine o Apitei. A himine me ra ua tona hua, te ruar i, tara ua ia tamai ti matahi apu, se bia sa, e te o Apitei e whatata maira i te whame roto i tēne a. Mitpe wai nei ne, i ne heo tau tēne nau pē, e heo pēia i tēne whanhor ana tatu, maruru mai te tō tatu wharirera, maruru whahaua, I te hau whenua tōror a mai te wahai no tātou, haru mai tātou i nei āri-āria. Te apa mai te atu nei mātou i a otou, pa atou i a mai te otou i tēne hope a hepe tōma. Hapa mai te ehua hirema, arerea no tātou i roto i tō tātou mo utua whare tātou e tei. E wharere a tātou i te mahana pē i mua nei. Parahai ana. One day.
Poursuit sans cesse et ne me laisse.
Je n'irai plus chez toi, je n'ai plus le droit. Une chanson, je t'aime. Quelques flocons, je t'aime. Dans la maison, j'ai froid, j'ai un peu peur parfois. Et j'ai le mal de toi. Et j'ai le mal de toi quand j'entends ta voix. Au cœur du silence, malgré la distance, je sens ta présence.